Homme préhistorique, Mario Bros, la Joconde ou encore Minnie. Non, nous ne sommes pas à Disney, mais bien à Tropicadingue. Les déguisements, pour les mini-gazelles et les cro-magnons, c'est ce qui rend cette course si atypique. On est des mini-gazelles. Pourquoi des mini-gazelles? Parce qu'on est en mini et parce qu'on est des gazelles, on est rapide. On est dans la joie, dans la bonne humeur et on est venu là pour se détendre et pour s'amuser entre copines. En cro-mignonne et cro-moignon. Et cro-moignon. On va attaquer l'attaque du feu. L'attaque de? L'attaque du feu. Et il y aura aussi l'attaque de la boue et de l'eau. Surtout de la boue et de l'eau. À mi-chemin entre trail et raid multisport, c'est une course qui redouble d'originalité avec plus de 3500 participants. Caroline et Thierry sont motivés malgré la boue. Un cri de guerre en particulier. Ah oui, ah ouais, oui. Tariquet et hier, ça désaltère. Un nom de groupe aussi peut-être. La Bear Team du cœur. Action, chaud patate. On n'est pas motivé, on est inconscient en fait. Aussi. On est des gueudins. Voilà. L'épreuve de la boue, t'es pas mauvais. T'as bien caché qui. Il a raté un peu le pied, un peu du ciel, vous s'en retire, mais t'es excellent. Bah, vu là-haut, fais-nous une petite performance là, elle est pas trop fatiguée. Un petit peu. C'est ça qui fait le plus dur, Nawa, s'il gagne, mais bon. Je ne connais pas, Nawa. Non, encore l'énergie pour la suite là. Bof, bof. Mais ça a été mis ensemble. Un événement unique à La Réunion qui attire chaque année des habitués. L'objectif des prochaines éditions, attirer encore plus, avec des obstacles encore plus innovants.